Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est Célandron pour le sixième déjà épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade with Fire and Sword. Accent qui tue. Donc, on était en train de se reposer à Smolensk, d'ailleurs je vais attendre ici encore un peu. Après avoir été un peu pourchassé en permanence. Alors, du coup, je crois que c'est assiégé, c'est pour ça que je peux pas aller voir là. Il y a quelqu'un dans la forteau? Il n'y a personne. D'accord, ouais. Il n'y a personne, je crois que c'est assiégé, donc c'est un peu le bordel. Ouais, c'est ça, c'est assiégé. En face, c'est assiégé, mais c'est assiégé partout. Bah, on va, du coup, on va plutôt revenir du côté de Vinius. Hein. Et donc, on a 15 plus 1. On va aller voir ces gars-là. D'accord, ouais, c'était juste des tireurs d'élite de la section secrète. Ça fait un peu pompeux pour pas grand-chose. Décidément, cette montre-là, il faut que je la mette ailleurs. C'est mon chrono. Je dois foutre un peu ailleurs. Alors, Ludinovo, et non pas Ludicolo, comme le Pokémon. Évidemment, ils ont jamais rien. Évidemment, ils veulent des graines. Je veux pas. Parce que je peux pas. J'ai pas envie d'acheter des graines. Ça me coûte souvent plus cher que ce que ça me rapporte. Et je sais pas pourquoi je ne peux pas avoir plus de 15 mecs dans mon groupe, là. Peut-être parce que j'ai pas assez de renommée. Concept de jeu. Pas de militaire. Non. Renommée 18 et je n'ai pas de fief. Il faudrait que je trouve des gens un peu plus évolués niveau niveau titre. On va peut-être essayer d'aller voir Aslusk. Aslusk, ouais. Rebelle. Évidemment, je ne choperai jamais. Ah mais j'avais pas une quête avec le petit Gugus là. Des bandits à Runia. Attendez, c'est où Runia? Parce que du coup, je suis allé super loin, mais non. Oh zut, c'est de l'autre côté. Bon, on va aller voir les bandits. C'est vrai que j'avais complètement oublié. Demi-tour. On va s'entraîner contre des bandits. Alors, j'ai quoi déjà dans mon équipe? 7 faucheurs, donc du bas de la base. Varvara, ouais, ok. Mousquetaire de la milice, Cosaque pauvre, Mousquetaire de la musique vétéran, j'en ai 3. Et Cosaque pauvre vétéran. Allez, direction Runia. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai quand même récupéré un cheval, ce qui est déjà pas mal. Kivichi. C'est bien plus difficile, je trouve. L'extension. L'extension, pas l'extension. Ouais, il y a bien du monde, là. Alors, le village est envahi par 32 rebelles. Par contre, ça va être chaud. 32 rebelles. Je veux bien qu'on soit une quinzaine, mais 32, waouh. Oh, j'en ai eu un. J'en ai encore eu un. Wow. Par contre, effectivement, ils ont... Ok, je me tire parce que mon cheval est en train de prendre genre super cher. Ah, et moi aussi. Tiens, viens là. Tu es. Ok.
C'est un peu chaud là, mais je me sers du coup des petites maisons pour être tranquille. Oh, mon cheval est bientôt mort, quoi. Chargé. Aïe aïe aïe, ça va être vraiment chaud, quoi. Quoi, j'étais assommé. Non 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 non. 10 tués, 5 blessés contre 8 tués. Perte ennemie 16, perte alliée 5. Oh la vache. Oh non, j'ai encore perdu énormément de monde, quoi. Les soldats sont prêts à être promus. Oh. Vache. Par contre, toi, t'es qui? Armée du prince Boguslav. On va voir ce que ça donne. Est-ce que t'as une tâche? Ah ah, Garchal Vantar. Il pourrait se trouver refuge avec ses compères à Staronowis. C'est où Staronowis? Staronowis. J'espère que c'est pas trop loin. Ah, et si, c'est loin. Allez, direction Staronowis. Et si on passe à côté d'une petite ville, on ira voir un peu. Staronowis. C'est vrai que c'est pas la porte à côté. Du côté Gnazij. Gnazij. Bah, tu tournes un peu peut-être. Par contre, c'est quand même ultra craignos. J'ai vraiment pas du tout d'unité là. Recruter des volontaires, deux faucheurs. Aïe. Personne. T'as pas besoin de mon aide, ok. On arrive bientôt à Staronowis. Trois faucheurs. On a 14. On va voir, hein. Lublin. Je suppose que c'est ce qui va devenir Dublin. Alors, Staronowis. On aille voir dans Staronowis. Ça va, j'ai quand même assez de PV, ça devrait aller. Préparer mon arme, on va chercher ce bandit. Toi, t'es l'ancien du village. Roturier. Alors, je suppose que c'est pas une femme. Que je cherchais derrière une hutte ou un truc comme ça. Ok, elle n'est pas ici. Où est-ce qu'il peut être? Ah, homme nerveux. Ouais, d'accord. Boum. Je l'ai juste fait un gros tir à la tête, quoi. Alors, du coup, faut que j'aille retourner
que j'aille à Renia pour lui expliquer la situation. Alors, il est où? Il est très près de Renia. Renia. Pas la porte à côté, il faut que je retrouve le prince. Alors à la limite, je peux demander s'il y a quelqu'un à Lublin. Ah, il y a un seigneur. Ouais, se rendre dans la grande salle et lui demander s'il n'y a pas vu le prince machin là. Un jour, peut-être. J'ai quelque chose à vous demander. Où est le prince? Il devrait être près de Runia. On va aller à Runia. Runia. Ce qui est pas tout à fait la porte à côté. Allons-y. Ah non, c'est pas du tout la porte à côté. Bon, il y a un groupe de rebelles qui me suit. On doit s'est coltiné à un moment. Rebelles. À la limite, je peux me faire les rebelles. Non, il me fuit. Ah bah finalement. Allez, on va s'entraîner un peu. Suivez-moi. Je me demande comment je vais faire pour vraiment m'entraîner parce que là... ça craint un petit peu. Voilà. Du coup, ils ont tous gâché leurs armes et moi, j'ai eu un dragon. Oh la vache. Je tire de façon magnifique. Par contre, il faudrait vraiment une meilleure arme. Tiens. Voilà. Il reste toi. Boum. Allez, vous allez me le faire là. Alors, qu'on ait deux morts. Ah, on va capturer des rebelles, hein. Oh, c'est vrai que j'ai eu tout ça à vendre. Ah merde. Ah ah, j'ai peut-être un meilleur sabre. Coefficient de vitesse 94. Il est meilleur que le mien. Alors, je crois que j'ai des trucs de merde que je peux vendre. Qu'est-ce qu'ils ont mal? Ça, ça se vend mal. Hop. Ça, ça se vend bien. Ça, ça se vend bien aussi. Et côté en direction Runia. J'ai déjà passé par Orvush, récupérer des unités peut-être. C'est la galère. Recruter des volontaires. Des provisions. Ils seront jamais assez pour tout prendre, mais au moins une partie. Toc. Ah, évidemment, ils ont pas assez. Non plus. Non plus. Non plus. Ah, yep. 445, c'est pas grave si j'ai un petit peu pris au-dessus. Du coup,
Par contre, Varvara, elle s'est bien fait défoncer. Dès que je m'occupe d'elle, d'ailleurs. Et il faut qu'on retrouve ce prince. Rendre cette quête. Il faut que je devienne un vassal ou un truc comme ça. C'est indispensable, ça. Pour ça, il faut que je fasse ami-ami avec quelqu'un. De connu, si possible. Après, on ira voir à Smolensk. C'est pas toi? Si, c'est toi. Attends-moi. Voilà, 300 points d'expérience. Nickel. J'ai une tâche simple à vous confier, mon brave. Quelqu'un doit se rendre au village cosaque de Massovbrod et semer une telle pagaille. Ok, d'accord. Ok. Je vais essayer de rejoindre les... le royaume de Pologne. Donc il faut que je fasse la loi et la vengeance. Le... il faut piller Massovbrod. Je sais pas où c'est, je trouve. Il faudrait que j'aille à réunir quand même. Pour rendre la quête. Massovbrod. Oui, Massovbrod. Alors, Massovbrod. Près de Kiev. Faut qu'on aille plutôt à Ludinovo. Kiev. C'est sérieux? J'ai pas pillé quelque chose ici. C'est le meilleur moyen de se faire défoncer. Bon, on va essayer quand même, mais bon. Je sens qu'on va se prendre des vilains pas beaux sur la tête. Ça va pas traîner. Bon, 354 sur 352, c'est pas grave. Bon, bah, direction Massovbrod. Hein. Je me demande si ça va payer. Je sens que ça va être un petit peu la galère. Bon, c'est pas grave, hein, on va voir. Massovbrod. Après, il faudra retrouver le prince. Il y a plein de patrouilleurs partout. Ça me fait un peu peur. Ça va être la galère, ça va être la galère. Un groupe de déserteurs qui me suivent. Bon, on va les charger, hein. Allez, allez hop, suivez-moi. Ça, par contre, ça va être la galère. Ah oui. Arrêtez avec vos lances, ça me fait super mal. Ah! Quatre tués, deux blessés. Sept troupes prêtes au combat contre leurs 5. Je crois qu'on va bien se faire défoncer. Quoi? Je me suis pris une balle, je crois. Ok, bon, bah on se tire. Hein. Non mais j'ai dit, on se tire. Oh merde, je suis fait prisonnier, quoi. Oh, ça fait... oh, c'est encore la merde. Oh, mais arrête de me balader, je veux rester du côté...
Non, non, mais tu te stops. Je crois que j'en ai marre là. Recruter des volontaires. Bon, bah voilà, on recommence. Décidément, on va passer notre vie à recruter des volontaires. Allez hop, Must Love Broad, ça fait 20 minutes en plus. La galère. Recruter des volontaires. J'ai tout perdu quoi. Entreprendre une action hostile. Puis raser le village. Ouais bon. À poursuivre la mise à sac. On va essayer de charger mais bon là je... Ok, avantage de combat, moins 37. On va se faire défoncer. On va se faire royalement défoncer. Bon, je vais un peu dépasser sur le temps, mais là, c'est le bordel. J'ai essayé d'attaquer le village. Sauf que les paysans sont pas contents. Et je sens qu'on va se prendre une sacrée branlée. Eh, mais c'est que... Je n'ai plus d'armes. Ah, c'est drôle. Oh mon dieu, mais ils sont équipés avec quoi? Mais c'est quoi ce village? Oh mon dieu! ...88 points de dégâts. Des fantassins. Vous m'expliquez? C'était quoi ce truc? Ok, c'est le bordel. Bon ben, merci d'avoir regardé. Je sais pas comment je vais reprendre le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à la prochaine. Salut à tous. Oh la merde.